Et yo les frérots, c'est Ruru, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros showcase, du coup, mon trio, enfin un trio divin que je voulais tant jouer sur le jeu. Malheureusement, Gogeta Blue et Vegeta Blue et vous sont tous les deux des persos jaunes. Du coup, bah, je suis obligé de les jouer comme ça, voilà, en yellow purple, du coup, avec Migaté 7 étoiles. Et elle est plutôt bien étoilée, la team assez bien boostée également grâce aux capacités Z, Zenkai, des trois persos sur les lignes du bas que vous voyez juste en bas, les gars. Donc, on va partir tester ça en top ladder, les gars. Je suis top 3000, il me semble. Donc, il y aura de gros teams en face et vous allez voir que ça se défend plutôt bien, ce petit trio... Ce petit trio divin, voilà, que je kiffe tant, Gogeta Blue, Vegeta Blue et Vomigaté, incroyable, tout simplement, ces trois persos-là. Et avant qu'on parte pour le showcase, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça fait plaisir et puis ça aide tout simplement pour l'avancement de la chaîne. Je compte sur vous, les frérots. Sur ce, je vous laisse profiter du showcase. Let's go. Eh bien, grosse team Zenkai encore pour commencer. Famille de Goku en face avec le Gohan Zenkai 7, forcément, le Goku Blue Zenkai 7 et le Goku SC3 Zenkai 4, il me semble. Ok, et pas Zenkai 6. Donc ça va. Ça sera son point faible ici du coup. Voilà, ok frérot. Parfait. Là normalement je le touche. Voilà, nickel, let's go. Gain de ki, gain de puissance, vitesse de pioche augmentée, let's go. Et là il sera forcé de changer de personnage, parce qu'au bout d'un moment je vais faire trop mal à son gun. Mais a priori il a pas trop envie, hein. Bah let's go. Moi je reste comme ça, frérot. Et regardez le Migaté. Regardez le Migaté, ce qu'il est en train de faire ici. Bon là par contre on va mettre le Taibo. Oh. J'ai un peu trop attendu là. J'ai même un peu trop attendu même ici. Bon c'est pas grave, tant pis. On va mettre le Gogeta Blue. On va tanker forcément l'ultime du Goku Blue ici. Enfin, on va tanker. On va essayer de tanker parce que bon. On sait que c'est pas non plus des monstres dans Kines, les persos, d'ailleurs les trois persos que je joue, hein. Les trois persos que je joue, les gars, ils ne sont pas du tout tankés. Vraiment pas, pour le coup. Parfait dodge. Eh bah écoute, frérot, moi j'attaque, hein, y a pas de souci. Je vais mettre le Migaté ici. Et let's go pour le RR. Il va me donner un de ces trois persos. Et c'est forcément le Goku. Je pense que c'est la meilleure idée qu'il ait eue. Parce que contre 2 jaunes, après, il fait... Alors, ouais. Bon, il est que Zenkai 4, mais le Migaté, il fait du dégât. Le Migaté fait du dégât, et on vient mettre KO ici, du coup, le Goku SCJ3. Donc, on se met plutôt bien, hein, pour la suite de la game. Après, il faut se méfier, parce qu'il a le Gohan. Il a le Gohan Zenkai 7, et il me fait peur. Je vous avoue que le Gohan Zenkai 7, il me fait très très peur, les gars. Il a déjà fait la TP avec le... Ok, frérot. Et forcément, et en plus de ça, on a l'aspect. C'est parfait. Et let's go pour les dégâts. Oh, c'est KO du Vegeta ici, je crois. RR, tu te débarrasses de ton ultime. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ça, c'est con. C'est très très con ce qu'il vient de faire ici. Je vais faire la verte. C'est ton jamais. Ça fait un petit moment qu'il a pas fait de verte. Non, c'est une strike. Tant pis. Donc là, il a plus de carte en main. Il a plus de carte en main, il a plus le main. Donc moi je vais faire l'ultime avec le... Avec... Ouh, ça sent la tap attack ici, là, largement. Très largement ici, let's go. Ah, forcément. Migaté, heureusement il a pas break. S'il avait break, j'avais perdu. S'il avait break ici, j'avais perdu. Heureusement que j'ai fait ça. Oh, bâtard. Parfait. Je prends. Et go pour l'ultime ici. On a récupéré le RR encore. On a un deuxième RR. On a fait le premier RR d'ailleurs. Oui, on a largement fait le premier RR. Et même on l'avait passé sur son Goku SCJ3. Je me souviens. Oh, joli ça. On va mettre le Gogeta ici. Tap attack. Oh non 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 non, j'avais gagné. Bah ouais, mais j'avais gagné, j'ai la... Oh bah parfait. Parfait. Bon bah let's go pour la première game, on a eu de la chatte. Non, la vérité que sur la première game les gars, on a eu de la chatte, mais très très fort. Vous avez vu les dégâts, c'est pas grave.
qu'il y ait du contre-type ou pas, c'est pas grave, on fait les dégâts, le trio magnifique. Le trio magnifique, tout simplement, les frérots, on part pour la seconde game, c'est parti. Team Saiyan pour la seconde game avec du full Zenkai, Goku, Kakarot, Zenkai 6, Goku pupute et Goku pupute. Voilà tout simplement les frérots pour la game, on est parti. Bon j'espère qu'il va pas trop faire la chienne, n'empêche en face à camper. Ça serait pas trop se faire play, surtout vu la team que j'ai. Bon. Il est pas très déterminé à attaquer en face hein, quand même là je trouve. Hein. Bon du coup je vais prendre l'open s'il me la laisse. C'est assez gentil d'ailleurs de sa part. Et let's go avec l'immigaté. Ici on temporise. Ah bah. Ah bah. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends pas. C'est ça qui me perturbe aussi avec le Goku Kakarot si c'est pas de côté. J'ai l'impression qu'il me sort une esquive à chaque fois le perso. Alors que pas du tout. La verte ici. GG. Ça va quand même. Allez, tiens, dans ton cul. C'est moi qui te touche ici, frérot. Let's go. Allez, s'il te plaît, une petite Dragon Ball là. Ça serait sympa. Ça serait stylé. Non, ça va pas. Ça veut pas. Il veut pas le jeu. Ah, si, c'est bien. Une space ici, je prends. Oh, ok. Let's go. Tant pis. Oh, on va laisser le Gogeta Blue. Je sais pas trop à quoi il joue en face. À quoi il joue en face? Mais frérot, mais qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi je vais mettre l'immigaté. Hein. Je vais mettre l'immigaté ici. Et RR. Let's go. Sans pitié. S'il perd son Goku Kakarot, je serai tranquille. Et surtout pour mes deux jaunes, que ce soit Gogeta Blue, Vegeta et Blue Evo. Et c'est bon, il contre pas. On est en 3v2 du coup. Il a plus de TP avec son Goku SCJ3. Par contre, il me semble qu'il a toujours le main avec ce dernier. Et il a aussi le main avec le Goku Namek transformé. En fait, il lui reste deux Goku pupus, donc je suis très loin d'avoir gagné. Je suis en train de le remarquer. Il veut plus jouer. Tu veux plus jouer, frérot, ou... Mais Mais quoi? Mais frérot, faut jouer, non? Il faut jouer. Bon, je vais mettre le Vegeta Evo ici. Il galère. Non, il a du mal en face, hein, malgré tout. Et nous, on va faire du dégât. Waouh, peu de dégâts, quand même. Hein. Très peu de dégâts. Mais qu'est-ce qu'il... Je comprends pas son gameplay. Mais frère, je suis perturbé. Je suis perturbé par le gameplay. Mais le gars il joue pas. Ou il joue bizarrement. C'est trop chelou. Bah non. Bah si. Ok. Voilà. Non mais je comprends pas frérot. Non c'est incompréhensible pour moi les frérots sur la game ici. Moi j'en profite hein, je fais du dégât écoutez hein. On galère hein, quand même. C'est très compliqué de faire. Ouh, le random qui marche ici. Le random qui marche ici. Je suis mort. Incroyable. Mettre le Vegeta Blue Evo. Et ça. Là on a du mal. On voit que quand on n'a pas les bonus pivots de Lavado, c'est compliqué de faire du dégât. Mais joue ta sœur. Mais tu fais quoi frérot? Moi il faut que je fasse un showcase hein. Il faut que tu joues, il faut que tu proposes du gameplay. Je sais pas, fais un truc, non? Tu veux pas? Genre t'es pas trop déterminé en fait. Oh. Vénère le Vegeta par contre ici. Hein. Pièce, mais à quoi il joue? Je sais pas. Ouais, tu peux RR, je vais te donner l'immigaté. Je te donne l'immigaté ici, frérot. Allez, je vais faire une strike. Même si contre, même que je contre ou que je contre pas, je m'en contre fou. Hein. Franchement, je m'en contre-fiche totalement ici. Et ben voilà, en plus, on compte. C'est vraiment toujours les games, genre ça sert à rien que je contre. C'est toujours ça.
Voilà, et let's go. Fais-nous des bons dégâts, s'il te plaît, Vegeta. Allez, encore, 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 encore. Encore. Voilà, la game interminable. Marrant toi, putain, mais le délire quoi, mais franchement, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable quand même hein. Oh là 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 là, mais à quoi, mais à quoi, mais il y a des gens en PVP, je vous comprends pas les gars, à quoi vous jouez, à quoi tu joues frère, à part me faire perdre du temps, ça me sert à rien ça. Bon bah je vous la laisse quand même parce qu'on a pu voir les dégâts de la team. Et un joueur très très bizarre, mais au calme. Let's go, les frérots, pour la troisième game contre une famille Goku. Encore une nouvelle fois. Cette fois-ci avec le Mirai Gohan, par contre. Il commence d'ailleurs avec ce dernier. Il va certainement profiter de ses bonus pivots. Par contre, il profitera pas du coup de la mise à cover. Ça, c'est dommage. Mais bon, ça, c'est le jeu. Non, tu t'es raté. Ah ouais. Ah ouais. Ah bon. Ah bon. Ok. Non, 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 frérot. Bah ouais, écoute. Y a pas de problème. Là, tu vas mettre ton gun. Forcément. Mais le break ne marche pas, étant donné que ça lag. C'est que ça. Depuis tout à l'heure, c'est que ça, les gars. J'essaye de faire un showcase potable. Mais bon, s'il y a que des gens qui lag en face, c'est compliqué. Hein. Tiens, c'est une petite spé. Regardez. Regardez comment ça lag. C'est affligeant quand même. Tape attaque. Blast direct ici. En tempo. Tape attaque du coup. Ouais bah celui qui tape attaque. On met le migaté. Une blast aussi de mon côté. Qu'est-ce que c'est? Mais non mais. Quoi? Mais c'est une blague en fait. C'est une blague en fait. Genre je comprends pas. C'est quoi ces games que j'enchaîne? Ou c'est que du... Mais c'est injouable. C'est juste injouable en fait. C'est juste un putain de jouable. Non, je vais mettre le Vegeta ici. On récupère l'aspect forcément avec la mise à cover. Ouh, le fou. Oh le fou malade ici. Attention frérot. Attention frérot. Est-ce que ça fait du dégât là? Bah non. Bah non. Bah non. Non non. Archi pas. Archi pas frérot. On va mettre le Gogeta Blue. Main. On va un tout petit peu tempo. Et c'est parfait. L'ultime qui passe du coup sur le Mirai Gohan. Qui annule la survie au chaos. Et ce qui est bien, c'est qu'il a déjà fait son ultime avec le Gohan. Et du coup, il lui avait plus beaucoup de vie. Là, il est vraiment dans la merde. Ah, il est dans une merde, les gars. Profond, profond, profond. Ah bah là, c'est fini. Là, c'est fini. C'est terminé. Là, c'est terminé. C'est juste terminé pour son Gohan. S'il le laisse. Il a l'intention de le laisser. Ah, let's go. Let's go ici. On est en 3v1. Et voilà. Let's go. On fait la verte. On a déjà fait l'ultime ici avec le Migaté. Ultime. Il esquive. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On met le Vegeta Blue ici. Voilà. On contre. C'est parfait. Et let's go pour une blast. Ça fait les dégâts. Ça fait les dégâts, mais il a plus rien en main. C'est sûr. Allez, let's go. On va le finir. On va faire la petite ultime du Vegeta Blue Evo aussi. Bien entendu, il a la gentillesse de nous la laisser en face. Let's go. Non.
Bien sûr que non. Bon, bah, troisième game, deuxième game avec des bugs encore, mais bon, on gagne quand même, et vous avez vu que... On lui a fait très très mal à l'adversaire, on lui a fait énormément, énormément de dégâts, pourtant c'était une grosse team Zenkai. Bon, après, le mec en face, il savait pas non plus... Il avait du mal, il a quand même eu du mal, on va dire que, voilà, il a eu du mal, c'était pas sa game. Malgré tout, on part pour une dernière, c'est parti les frérots. Dernière game, les frérots, contre une team Saga Movie, avec forcément le Gwen Revive, le Bojack pour mes deux jaunes, sinon c'est pas drôle, et le Gogeta Blue. Let's go. Le but, ne pas se faire toucher. C'est le seul but, en fait, quand vous jouez cette team, il faut pas se faire toucher. Voilà, là, je viens de me faire toucher, par exemple. Là, je vais vouloir... Non, je vais mettre le Migaté. Je rate tout. Il n'y a rien pour moi dans cette game encore, je le sens. Bon, voilà, Gogeta Blue, forcément, il empêche la mise à cover. Et là, on subit. C'est le problème de cette team. Mais arrêtez de reculer comme ça, tout bout de champ, bordel! Putain! Mais arrêtez, c'est pas du gameplay, ça! Et non, tiens, mange. Let's go. On va faire un gars. Let's go. Je me suis étranglé. À quel moment ça passe? Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Je ne comprends pas. Frérot, explique-moi. C'était quoi le but? Ici de ce que tu viens de faire? Bon, c'est pas grave. Pour nous. Pour lui, c'est un peu plus grave par contre. Parce que là, il vient de perdre son rouge tout simplement. Qui aurait pu lui servir quand même pour la game. Étant donné que j'ai deux jaunes. Et qu'il avait d'ailleurs pas fait le main. Du Bojack. Donc là, franchement, c'est grosse perte pour lui. Et là, on va se faire plaisir. Parce qu'en ayant fait le RR sur le Bojack, et bah, forcément, ça va être plus compliqué pour lui. Ok, il attaque directement. Non. Let's go. Ça fait trop longtemps qu'il est sur le terrain, Gogeta Blue, c'est pour ça que la mise à cover n'est plus actif. J'aurais dû me prendre l'aspect, mais je le savais. Mais je le savais que j'aurais dû me prendre l'aspect, putain. Oh, je suis con. Bon, c'est parfait. Oh, le retournement de situation, je suis mort. Bon, bah, c'est parfait, ça. Ça, je prends aussi, à mon avis, s'y attendait pas du tout à la physique random comme ça. Moi je prends. Allez, let's go. Mort du coup de la première barre de vie du Gohan. On a encore l'ultime avec le Gogeta Blue. Là, le fait qu'on ait contré son RR, ça le met pas du tout en bonne posture. Mais vraiment, vraiment pas par contre. Là, vraiment, on a de la chance. Franchement, sur la game, là, on a de la chance. On a vraiment de la chance. RR, je tire l'ultime. Et je me prends l'ultime. Non, il se prend l'ultime. Donc forcément, c'est KO. Du Gohan ici, il va lui rester du coup le Gogeta Blue contre une team full LF tout simplement. Full badass, full trop forte. Et en plus de ça, on perfect dodge derrière. Et voilà, du coup abandon forcément pour la dernière game. Vous voyez que la team est très forte mais il faut toucher. Et il faut aussi avoir de la chance à ce que l'adversaire n'ait pas non plus un pic de ouf. Parce que s'il a du full rouge en face, vous êtes mort. Ah, vous êtes cuit les gars, vous pouvez absolument pas gagner. Donc voilà, j'ai quand même voulu faire ce petit showcase grâce à Nexan, un abonné fidèle du coup qui avait partagé sa team sur YouTube et qui voulait tout simplement qu'on fasse un showcase. Du coup, j'ai fait le showcase, donc merci à toi mon frérot pour d'avoir partagé cette team-là. N'hésitez pas à aller d'ailleurs joindre son Twitter, je vous mettrai dans la description pour ceux qui veulent. En tout cas, voilà, que dire sur la team, c'est stylé. Voilà, c'est trois persos que j'affectionne particulièrement dans le jeu DBL, DB Legends. Mais non, c'est compliqué, c'est trop compliqué, parce que le truc c'est qu'on a deux jaunes. Voilà, c'est le problème, c'est que le Gogeta Blue et le Vegeta Blue Evo sont tous les deux des persos jaunes, donc les jouer ensemble c'est très compliqué. Sans plus bonus pivot d'un allié, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, mais ça fait quand même les dégâts, même si on a vu que le Vegeta Evo,
Il galérait à certains moments quand même. Il galérait, Gogeta Blue fait quand même plus de dégâts que lui, je trouve. En tout cas, on l'a vu, notamment sur ce showcase-là. J'espère que vous l'aurez apprécié. D'ailleurs, les frérots, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner, encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, les frérots. Nous, on se retrouvera du coup cet après-midi, ou début de soirée du moins, pour un live des BL. Voilà, tranquillement, on va essayer de monter dans le top 3000. On va essayer d'être dans le top... On va essayer de monter le plus haut possible cette saison-là, voilà, donc je compte sur vous pour être présent sur les lives, les gars, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde pour me soutenir. Sur ce, moi je vous souhaite une très 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 bonne journée, les gars, un très bon dimanche, c'était Ruru, et ciao.